Salut, moi dans le fond c'est Émile Cusson. Je m'appelle Motus sur les internets puis dans mon milieu de travail. Je fais du dubstep puis la musique en tout genre. Motus! Moi ça fait environ, je dirais, une dizaine d'années que je fais de la musique. Comme hobby, puis je dirais ça fait peut-être 4 ans là, que j'aspire à faire ça professionnellement. C'est ma première année de travailleur autonome en tant que compositeur là, puis de musicien. Si mon souvenir est bon, dans le fond, j'écoutais du Skrillex dans le temps, quand il faisait du électro, dubstep. On savait pas vraiment c'était quoi la différence là. Moi dans ce temps-là, j'écoutais My Name is Skrillex, le vieux EP, le premier EP si on veut. Puis dans le fond, j'ai appris ça, Scary Monsters, puis tout ça. Dans le fond, un peu de Danmas aussi qui faisait du dubstep à l'époque. Je connaissais pas vraiment le dubstep comme plus de roots, si on veut. Puis dans le fond, c'était plus comme un dubstep américanisé que je connaissais. J'ai commencé à écouter du Datsik, Excision, Band Link, puis tout ça, ces gars-là. Au final, ça m'a un peu poussé à essayer de découvrir de plus en plus ce genre-là. J'écoutais du Monster 4, puis tout ça. Puis dans le fond, ça m'a poussé à écouter. À un moment donné, j'ai essayé de raffiner un peu ce que j'écoutais, puis je recherchais un son qui était plus clean, un peu plus accentué sur le flow, un peu moins sur les mélodies, puis tout ça. Puis dans le fond, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé un peu plus le son qu'on appelle maintenant Riddim. Dans ce temps-là, nous autres, on appelait ça du swamp, du trench, du skank. Finalement, c'est ça. C'était vraiment un style qui était wonky, du wonk. T'sais, au final, c'était un style qui nous faisait si on veut fléchir d'une façon particulière là. J'ai commencé par mixer dans le fond. Puis dans le fond, à un moment donné, je me suis décidé à commencer à composer. Je trouve que ça me satisfaisait plus assez de mixer des chansons de d'autres personnes puis tout ça. On dirait que j'avais vraiment l'impression de tourner en rond un peu, puis ça m'a poussé à essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. Puis, dans le fond, c'est à ce moment-là, je pense en 2000. Je crois que c'est en 2012, je dirais, là, que j'ai vraiment commencé à produire un peu plus sérieusement au cégep. Mais j'ai commencé à toucher au logiciel tout ça en 2000, je dirais en 2010, sûrement en 2000, 2009-2010, j'étais en secondaire 3. Je pense que pour Motus, le rhythm a commencé à se concrétiser quand je commençais à écouter finalement du Monsters. Je m'inspirais beaucoup de ces gars-là. Je ne vais pas toutes les nommer, là. AD, Cursed, Golden Shades, Shivers, obviously. Tin, Akira, Subfiltronic, Bad Phase, Infect. Tous des gars avec qui on travaille maintenant. Je vais nommer des gars qui sont plus dans Monsters, qui ont pris leur retraite, si on veut. Suplex, Antix, Vodex, même, qui a recommencé un petit peu. T'sais, au final, moi, j'écoutais ces gens-là. Puis ce que ça me donnait comme impression, c'est vraiment une espèce de renouveau dans ce type de BPM-là. Donc, j'avais pas vraiment entendu avant. Il y a un son qui était vraiment articulé. C'est là que je dirais que le rhythm pour moi en 2012, là, j'ai commencé à vraiment plus représenter dans mon son une minimalité, un minimalisme dans le fond. Puis c'est ça qui a fait en sorte que aujourd'hui, mettons, quand je compose, j'ai plus tendance à essayer d'avoir de quoi de clair, une idée claire. Je recherche un peu plus le détail. Puis au final, quand j'écoute une pièce, c'est ça que j'aime aussi. Porter attention aux petits trucs qui se passent, puis aux petits agencements qui sont vraiment bien pensés, puis ça qui relève du génie. Moi, c'est un peu ça que j'aime faire dans ma musique. Au final, en majorité du temps, j'ai fait du rhythm je te dirais, dans les 5 dernières années. Les 6 années qui ont suivi, là, je me suis vraiment concentré pour raffiner ce genre-là. Ça l'a vraiment été. Ça l'a porté son fruit dans les 2 dernières années, je dirais, là, qu'on a fait beaucoup de. On a fait beaucoup de pièces, puis d'albums, puis tout ça. On a fait beaucoup de spectacles aussi, c'était vraiment le fun. La fanbase est vraiment insane, puis tout ça. All over the world, tu sais. J'avais des pièces qui étaient jouées, mettons, dans des spectacles à Montréal, puis tout ça. J'allais attendre un spectacle, j'entendais des tunes à moi, tu comprends, que les DJ qui jouaient, je leur avais envoyé, mettons, pour qu'ils puissent jouer, ou bien non, qui étaient free download, etc. Dans le fond, ce que ça l'a fait en sorte, c'est que ma musique a été entendue. Puis dans le fond, Eddie, entre autres. Lui, il fait beaucoup de recherches, puis ça, ça l'intéresse beaucoup, les jeunes producers, puis ça, qui essaient d'avoir le son OG, si on veut. Puis dans le fond, lui, il a recruté, tu sais, entre autres, Akira, Subfiltronic dans Monsters, Infect. C'est tout du monde, tu sais, qui a vraiment comme spoté, si on veut. Puis dans le fond,
Eddie est venu m'inbox pis tout ça, pis il m'a demandé des tunes. On a commencé à chatter un petit peu pis tout ça. Shivers m'a demandé une spéciale de Mission Mars, entre autres. J'ai fait. Dans le fond, ça, il la jouait. Pis dans le fond, on a commencé à traiter une relation un petit peu plus comme, tu sais, on share des dubs pis tout ça. Moi, je m'attendais vraiment à rien là-dessus, à ce point-là. J'étais vraiment dans l'optique, tu sais, je work hard pis tout ça, pis tu sais, on verra qu'est-ce que ça va donner au final. J'étais vraiment plus en mode travailler que m'apitoyer sur mon sort, parce que je m'étais apitoyé sur mon sort à penser que ça m'avait vraiment rien donné. Et puis j'avais vu qu'en travaillant, c'était là que le fruit était vraiment. Fait que j'ai mis le temps et les efforts. Ce que ça m'a donné au final, c'est une place dans le fond, dans une équipe que moi, genre, j'ai toujours look up to. Puis au final, c'est arrivé tellement d'une façon anodine. Les gars nous ont écrit, ils nous ont dit on vous voit dans Monsters. Peut-être en je dirais sûrement en septembre 2017. Puis dans le fond, nous autres, on était c'est un peu comme vraiment surpris par l'instantanéité du truc. Puis dans le fond, ça a été vraiment rapide après ça. Ça a pris peut-être 2 mois. Le 7 novembre, dans le fond, ils nous ont écrit qu'on était dans Monsters. Ils nous ont rentré comme ça, dans le fond. Eux autres, ils avaient besoin d'une espèce de petite flamme pour l'équipe. Les gars, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient rien produit ensemble. Puis ça, ils essayaient de raviver un peu. En même temps, ils nous ont donné une opportunité vraiment extraordinaire d'avoir une visibilité presque incomparable dans ce style de musique-là. Pour moi, Monsters, c'est la référence en termes de rhythm. Old school rhythm, pis tout ça. Pour moi, être dans cette équipe-là, c'est vraiment un honneur. Puis dans le fond, ça va vraiment être arrivé. J'ai jamais vraiment comme écrit au gars que je voulais dans Monsters ou peu importe. J'ai pas envoyé ma candidature ou peu importe. Là, c'est vraiment arrivé du fruit de mes efforts. Puis ça, je pense que moi et Félix, on est vraiment fiers de ça. Là, ça tourne. Ça tourne comment? Ça roule, là. Okay, ça roule, ça enregistre. Ok, ça a été annoncé. À 9 a.m, bro, j'étais à Sherbrooke. T'es content? Je sais pas c'était quel jour de la semaine. Ça va être content. J'ai pleuré, man. Ouais. The fuck? I'm crying, man. J'ai broyé. Monsters!